Salut tout le monde et bienvenue pour suivre la 41e partie de cette carrière Project Cars. On continue notre tournée nord-américaine en LMP2 avec le championnat d'Amérique du Nord d'endurance. On va poursuivre avec donc les 4 divisions, le LMP1, LMP2, le GT3 et le GT4. On va retrouver notre Alpine pour découvrir ensemble cette piste du Sonoma Raceway. C'est parti! Et on a pu obtenir le premier box. Alors, le Sonoma Raceway, on y est passé il y a longtemps. Rappelez-vous. Let's get some heat in the brakes and the tires, get a feel for the track, and then see what the handling's like. Un circuit que j'aime particulièrement, assez vallonné, assez fluide dans les enchaînements. Circuit que j'apprécie énormément. Alors on est sur cette version-ci du tracé. La version un petit peu plus longue et un peu plus technique. Et vous voyez, ça glisse. Hein, la piste qui est très poussiéreuse. On va allumer le petit HUD. Pour que vous puissiez bien voir ce qui se passe sur le tableau de bord de cette Alpine Oreca. Et voilà donc pour le tour de découverte de ce tracé du Sonoma Raceway. Et on va pouvoir s'engager tout de suite dans la séance de qualification. Allez, il fait beau, il fait chaud et il y a du trafic. Ça va partir d'ici quelques instants. On va nous libérer afin de lancer la qualification. Et on va replacer le petit rétroviseur sur le haut de l'écran. Alors on part derrière un autre proto. Et il va falloir déjà se faire une place dans le trafic. Nous voilà libres. Alors on va mettre les pneus en température, ce qui ici ne devrait pas être trop difficile parce qu'il fait 34 degrés, c'est assez chaud. Et la piste qui doit bien cuire un petit peu. On est face à l'Audi R8 GT3. Et on va pouvoir profiter maintenant d'un tour bien clair devant nous. Voilà, c'est impeccable. C'est parti. On commence par la montée ici. En seconde pour le droit. Un petit survirage, mais c'est contrôlé. On a été gourmand ici, mais on n'a pas pris de pénalité. On est un peu plus en retard que tout à l'heure. 8 centièmes. On continue la progression avec une voiture bien dure à piloter. Comme je préfère souvent les protos un peu plus durs. On a un peu bloqué les roues à l'avant. Ça va, on n'a pas payé trop cher l'épingle ici. Et on rebalance tout ce qu'on a pour les S. J'espère que la voiture verte dans le fond de l'image ne va pas nous gêner. Ça doit être une GT3. C'est exact, une Audi. On va tomber dessus. Ici, ce n'est pas trop gênant. Impeccable. J'aurais été embêté de la croiser ici dans l'épingle. Allez, on devait tourner dans la minute 26 pour avoir une chance de s'en sortir et on va être bien. Et nous voilà en 1.24.7, deuxième place au général. Et on va voir où cela nous place au classement de cette séance qualificative.
Voilà donc le classement final de cette séance qualificative avec des petites surprises. Tout d'abord, Victor Vicente qui a fait la pole avec non pas une Audi, c'est assez rare pour le mentionner. Et surtout, nous avons réussi le cinquième chrono à bord de notre Oreca Nissan. Ça fait plaisir parce que Patrick Leleu, notre principal adversaire, est 7ème et deux LMP1 se sont donc intercalés au 6 et 8ème rang. Nick Garland est 9ème, donc tout cela promet pour la course qui va débuter tout de suite sur le Raceway Sonoma. A tout de suite. Ok, stand by, get ready, on my mark. Green, green, green. Et c'est parti à Sonoma pour la deuxième manche de ce championnat d'Amérique du Nord d'endurance. Et on va rapidement laisser passer le proto LMP1. Bah oui, mais faudrait y aller à un moment donné. Tant pis, c'est pas grave, pour l'heure on va rester devant. Et on va essayer de s'en sortir un maximum. Même si là on ne peut rien faire face aux proto devant qui sont beaucoup plus puissants que nous. On ne joue pas le général, nous on joue notre catégorie, c'est important de le rappeler. Il ne parvient pas à passer, c'est fou, ça, on a plus de grippe en virage. Alors je suis assez surpris de réussir à me glisser aussi facilement parmi les LMP1. Regardez ça, je parviens même à garder le rythme des pilotes les moins rapides dans la première division. Assez incroyable, on rappelle que l'IA est à 90. Il y a évidemment une petite erreur et voilà, c'est plus sage de le laisser passer. Et on va conclure le premier tour ici à Sonoma. On rappelle qu'il y a 30 minutes d'épreuve, c'est de l'endurance. Et il faudra voir surtout si les pneumatiques tiennent le coup. On est parti en pneu médium et non en pneu dur. On espère que ça tiendra aussi du côté du carburant. On est pour l'instant solidement installé en tête de notre catégorie avec une voiture un petit peu plus baladeuse qu'en qualification. Le poids du carburant fait aussi une petite différence dans le comportement. Et les changements de cap sont un petit peu moins sereins que ce qu'ils n'étaient lors de la séance qualificative. On redescend sur ce toboggan. Et attention parce qu'on est en train de cirer pas mal la piste en glissant. Et ça pourrait avoir des conséquences très négatives sur les pneumatiques. En fin de relais. Alors une explication aussi pourrait être le fait que tout le monde est parti en pneu dur et que je suis parti moi en pneu médium. Ce qui expliquerait ce petit écart de performance. Je vous avoue que là on est un petit peu perdu dans ce désert. Je m'attendais à un peu plus de résistance de la part des adversaires, mais là c'est une course où l'on domine pour l'instant. Alors on est encore tôt dans l'épreuve, hein. Ça fait même pas 5 minutes que les feux se sont éteints et malgré tout ça marche plutôt bien. On verra en fin de relais, on va peut-être le regretter. Et pour l'instant, c'est pilotable et c'est surtout très fun à piloter. Vous voyez sur la minimap, hein, toutes les voitures derrière nous là, ce sont les voitures de ma division. Alors c'est sur cette piste de Sonoma que le trafic va être difficile à gérer, évidemment. Surtout les GT4 avec des courbes rapides et de grandes différences de performance. Alors que là j'ai perdu une seconde quasi pleine dans le deuxième secteur, c'est pas top. On va essayer de ne pas reproduire ces petites erreurs.
dernier nouveau tour couvert, c'est à Sonoma, et on est allé quasiment titiller le mur là. Attention. Alors, tant qu'on en parle, les conditions météo ne sont pas affolantes, on a des conditions brumeuses. Donc on devra être épargné par la pluie, du moins on l'espère, parce que ça rechangerait beaucoup de paramètres qui sont pour l'instant dans le vert. Notamment les températures des pneumatiques, vous le voyez, on est dans la fenêtre des 85-95, l'idéal pour faire fonctionner ces gommes. On est encore un peu frais, mais pour l'instant, le train avant fonctionne parfaitement comme je le souhaite. Devant, serait-ce déjà, a-t-on envie de dire, les retardataires du GT4. Je n'ai pas réellement prêté attention à ce qui se passait sur la minimap, je suis bien concentré sur les enchaînements de ce Raceway de Sonoma. C'est vrai qu'avec tous les pneus présents dans cette dernière épingle, il vaut mieux ne pas porter d'attaque. Limite. Your pace is steady and consistent. You just need a bit more now. Come on, dig deep. Alors, je suis navré, je ne parle pas beaucoup, ce qui est assez rare chez moi, mais je suis concentré sur l'enchaînement de mes virages. Parce que ça ne paraît pas ainsi, mais c'est tout de même un exercice très très technique. Et on peut constater que l'usure des gommes est assez régulière sur les 4 pneumatiques. On n'a pas un côté qui souffre un peu plus que l'autre. On voit aussi que cette piste est bien variée. On aurait pu croire que le train avant gauche allait un peu plus souffrir, mais il n'en est rien. Côté du carburant, on est également en bonne condition. Alors qu'il reste maintenant 22 minutes d'épreuve. Et une voiture qui rentre au box, une LMP1 au box déjà. Ok, you've got good consistent pace, you're gonna need to pick it up a bit, let's push hard. On va commencer un jeu que j'adore, celui des retardataires. Attention messieurs, lui de drapeau bleu. Et là il y a une armée de Ford Mustang. Dans les SEC, c'est un peu plus compliqué, mais ça passe bien. Et là, on est un peu bloqué. Voilà, ça va s'ouvrir. Et c'est fait. On a passé le premier obstacle de cette épreuve de Sonoma. Your lap time's a little bit erratic. Try and line up some strong, consistent laps. Keep focused and get back on it. Semble-t-il toujours du GT4 avec les Aston Martin qui ont l'air de bien fonctionner ici. Elles sont devant les Mustang. Alors qu'on n'a pas encore vu, je pense, de BMW.
Allez, la Aston Martin ici qui va nous laisser prendre l'extérieur. On va freiner quasiment, voilà, dans l'herbe. Et dans le gravier, dans le sable même. Et c'est un peu le risque de ces dépassements, c'est de se faire surprendre de la sorte. Preuve qu'il faut malgré tout faire preuve de patience et de ne pas plonger au dernier moment pour risquer d'avoir un souci. Allez, à l'extérieur. Et une fois qu'on quitte hein, cette trajectoire idéale, le grip sur le train extérieur qui souffre énormément et on perd bien la voiture assez rapidement. La preuve encore ici. Alors qu'on retrouve une piste bien plus dégagée que tout à l'heure. Okay, your pace has dropped off a little bit. Tires are still good. Still dig out some fast times. J'étais un petit peu surpris par mes pneumatiques, attention. Pourtant, au niveau des températures, ça n'a pas trop bougé. On a perdu un petit peu, évidemment, avec le temps perdu dans le trafic. Tout cela bouge, évidemment. Et on commet encore des erreurs, tout seul comme un grand. Ouais, vous le voyez en haut à gauche, maintenant on est tranquille pour, je pense, une bonne dizaine de minutes avant de retomber sur des pilotes un peu plus lents. Lap times are a little bit inconsistent. Stay sharp. See if you can put in some strong laps now. Line them up. You can do it. Ce qui est assez bizarre, c'est que notre spotter nous a dit que le rythme n'est pas si bon que ça. Et pourtant, on tourne assez correctement par rapport à ce qu'on a eu en début d'épreuve. Donc je ne vois pas où est le souci. Vous voyez, bon, on est 2 dixièmes plus lent. Évidemment, on ne va pas non plus prendre tous les risques. Vu notre position plus que favorable. Pour aller pourquoi pas remporter une deuxième course. Nous on ne serait pas contre évidemment. Et puis pour une fois une course avec un petit peu de domination, ça fait plaisir, vous savez. Habituellement je préfère la bagarre dans le paquet. Mais finalement, un petit peu de domination fait parfois du bien aussi. Et le setup qui a été fait assez rapidement fonctionne plutôt bien. Surtout sur la longueur avec voilà, déjà presque la mi-course. Avec encore voilà, un peu moins de 17 minutes au compteur. Ça se passe plutôt bien pour la petite française. Oh, et justement, voilà. Switch on and stay focused. We need consistent lap times now. Really push hard. Qui a un train avant beaucoup moins compréhensif qu'en début d'épreuve. L'usure des pneus y est certainement pour quelque chose. Et vous le voyez dans mon manque de précision, et eh ben j'ai été tout simplement surpris et poussé à la faute. Ce genre de choses ne devrait pas arriver normalement, mais là. On a quasiment pas eu le choix. Sous-virage, ça y est, le sous-virage qui commence à me gagner. Et dites-vous qu'on n'est même pas à la mi-course. Hein.
ça risque de s'avérer un peu plus compliqué dans les prochaines minutes. Et vu la chance qu'on a au niveau de notre rythme, ce serait dommage d'aller se mettre dehors avec une course qui pour l'instant se déroule bien. DGT3 se présente à nous. Véritable GT3 cette fois-ci. Groupe McLaren, Audi et consort. Alors que le soleil, vous le voyez, commence à raser les montagnes. Au point de nous éblouir. Allez, on entame les manœuvres. La bise à Philippe. On a failli se faire piéger par la McLaren de chez Exis, vous l'avez vu. Là, la Porsche qui referme et qui nous touche. Tout va bien. Je crois même que la McLaren va la doubler. Ensuite, eh bien, une brochette d'R8. On vous en mettra 3 pour le compte. D'abord la numéro 4. Et qui résiste au freinage. Il vient freiner sous mon nez, incroyable. Ah, ils sont chauds hein, chez nos camarades du GT3. Et les drapeaux bleus, à un moment donné, je vais finir par m'énerver. Attention, parce que là, les drapeaux bleus, ça devient pour moi, avec la première Audi R18 qui vient de nous prendre un tour et qui, elle, va... sans problème, je pense aller avaler sa petite sœur. On va essayer de profiter de la R18 pour passer. Parce que là, sincèrement, il n'y a pas la place. Mais il nous bloque, c'est pas possible. Allez, hop. Regardez la R18 qui fait l'extérieur à tout le monde dans la descente. Allez, on va essayer de la suivre. Ouais, et le contact avec la deuxième McLaren de chez Exis. Et c'est passé. Maintenant, la soirée commence à tomber sur Sonoma. Un peu plus de 12 minutes d'épreuve encore à tenir. Oh, attention, et on est allé enlever un petit plot. Eh, le train avant il nous joue des petits tours. Pour l'instant, c'est pas trop grave, mais... encore des GT3 doublés. Alors que là, les pneus, vous l'avez vu sur la droite, ont pris un petit coup. Ils sont plus en possession de la peinture qu'ils avaient sur eux en début d'épreuve. Alors, nouvel acte avec eh bien, les GT4, les BMW les plus lentes qui se font eh bien, avaler par les GT3. En plus de l'Audi qui a dû passer par là. Enfin, sincèrement, je domine le LMP2, mais quand on voit la différence que vient de nous instaurer et de nous montrer, nous démontrer la puissance que vient de nous démontrer la R18, bah, finalement, c'est pas si logique qu'une voiture tienne les rênes de la catégorie. Voilà, par contre, la 42 a intérêt de s'écarter, sinon voilà, c'est moi qui vais me faire piéger. À force de vouloir passer à l'extérieur. Là par contre la R8 est très lente, on va y aller sans problème. Et on est allé à l'extérieur, emmener la R8. C'est pas grave, on va s'en remettre. Attention parce que là c'est très très lent. Le GT4. On a 13 secondes sur notre adversaire, ça commence à fondre évidemment. La voiture numéro 58 qui s'écarte. Allez, on passe la BMW. Le
ne peut rien faire pour l'instant. On va rester en deuxième pour la relance, un petit peu plus sobre. Vous voyez que ça ne nous empêche pas de s'intercaler. Allez, il faut laisser les autres passer. Voilà, le soleil est maintenant couché, ce qui nous permet de bien voir la piste. Ça a été difficile pendant quelques minutes, mais maintenant le problème est résolu. Allez, 2 secondes de perdu. Et c'est pas ça qui va aider non plus. Mais bon, je pense que là, on est quasiment tranquille jusqu'au dernier tour. Avec la piste qui se présente devant nous, c'est le beau fixe. Finalement, il y aurait peut-être encore des GT3 ou des GT4 à doubler. Seraient-ce les deux Aston Martin GT4 de tout à l'heure? Effectivement, avec un arrêt au box pour, semble-t-il, une Audi LMP1. Ah non, pardon, c'est le pilote en deuxième position. Je pense... stop et qui a même abandonné. Ben dis donc, les abandons ça s'enchaîne dans cette épreuve de Sonoma, alors que la clarté va bientôt nous abandonner. En effet, il restait bien 2 GT4 à doubler les Aston Martin qui roulent sans phare. Je suis assez étonné. Elles roulent sans phare, ces Aston Martin, c'est assez... Oh, et le coup de frein dans la descente absolument inutile qui a failli nous être fatal. Et ça y est, on a allumé les phares derrière. Peut-être un petit peu tard, il faut l'admettre. Et on continue de cirer. Attention, parce que là le pneu avant gauche commence à avoir du mal. Et on le voit aux températures, ça baisse. On est passé sous la barre des 85 degrés. Mais bon, là où nous en sommes, c'est pour l'instant du petit lait. Mais attention à la faute qui pourrait surgir. On va passer en deuxième pour la relance, histoire de ne pas se faire de mal. Il y a encore des changements de position. Il doit y avoir une bagarre terrible pour la deuxième place. De nouveau, et de nouveau, regardez le coup de tartinage qu'on doit mettre dans le volant pour la garder dans le bon sens. Ça devient vraiment critique. À 7 minutes de l'arrivée, va-t-on devoir opter pour un arrêt au box pour des gommes neuves? Rien n'est moins sûr. On va continuer peut-être avec ces gommes-là, mais ça commence à devenir quasiment inconduisible. Hein. Là, les pneus qui s'effondrent. De repasser en deuxième alors qu'ici ça passe normalement en 3 avec le grip habituel. Voilà, on tartine beaucoup dans la brume. Et devra-t-on opter pour les box? J'espère que ça va tenir. En tout cas, pour l'heure, la piste a décidé de s'habiller de ses lumières et ça lui va plutôt bien. Est-ce qu'on va devoir stopper? On a 25 secondes d'avance. Oh, et peut-être un souci, drapeau jaune. Oh, il y a un gros accident à l'épingle et il y a du monde là, il y a toutes les LMP1 qui sont bloquées. Ah, c'est dommage ça, toutes les LMP1 qui se sont retrouvées encastrées dans les pneus. C'est dommage, on espère que ça ne va pas perdurer jusqu'à la fin de l'épreuve.
Et avec ça, regardez, derrière Mark Hampson qui est retombé à 14 secondes. Et du coup, où en est-on en général? Ça, ce serait intéressant. Est-ce qu'on n'est pas en tête tout simplement de l'épreuve? Attention à la BMW 66 aux couleurs de Slightly Matte Studio. Oh là là, et non, il y en a des pneus qui sont tout simplement au bout. Il va nous rester 5 minutes, mais est-ce qu'on va risquer de les tenir? Parce que si ça revient derrière, je crains que ce ne soit que les LMP1. Roger that. Parce que 5 minutes de course, si j'ai encore 3-4 tours à faire le train avant gauche, je vais avoir du mal. Surtout si je continue à bloquer de la manière. Regardez, on est tombé à 75 degrés quasiment du côté du flanc gauche. Et ça devient de l'inconduisible. On va peut-être opter pour un arrêt au box. Regardez, regardez où j'en suis avec le volant. Yellow flag, repeat, yellow flag. Alors, on va opter pour un train de pneus tendres. Et on va peut-être même perdre la tête, on verra bien. En tout cas, il faut changer les gommes, ça ne serait pas arrivé au bout sans se planter. Allez, on stoppe, la piste est très longue, on va peut-être perdre la première place. Non, on est toujours en tête de notre division. Allez, ça repart avec 4 gommes neuves, on n'a pas remis de carburant puisqu'on ira au bout avec les presque 40 litres qu'il nous reste. Allez, il va falloir ressortir en piste devant Victor Vicente. Allez, le bout de la pitlane maintenant. Et ça repart. Et on est toujours en tête dans notre division. Et on n'a pas changé les gommes. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne m'a pas changé mes gommes. Incroyable. Ah bah non. Ça, c'était pas au programme, les gars. Ah oui, la voiture est toujours aussi inconduisible. Et en plus, elle est froide maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé dans les box ici à Sonoma? Eh oui, et ça va être un calvaire maintenant de terminer avec cette voiture dans ces conditions-là. On va falloir prendre beaucoup de précautions pour remporter la division. Et on s'est mis tout seul en danger, on voulait prendre trop de précautions et finalement c'est nous qui allons le payer. Par contre, t'as le proto LMP1 qui ne nous a pas vu. On va l'empêcher d'aller chercher l'Audi. Bon, attention parce que cette course est en train de tourner à... À la catastrophe, pour l'instant rien de grave. Il reste 2 minutes 20 au chrono. On va essayer d'arriver au bout sans toucher les voitures les plus lentes qui, elles également, souffrent d'usure de leurs pneus. Yellow flag, the crash nearby, be careful. Et donc voilà, les LMP1 qui sont eh bien stoppés et bloqués finalement dans cette dernière épingle. Assez dommageable comme souci, donc drapeau jaune. Il y a 2 minutes, on est, je pense, dans ce qui semble être l'avant-dernier tour de cette épreuve de Sonoma, que l'on va, allez, on l'espère, remporter. On va parler un petit peu vite peut-être. Mais ça semble bien parti. Mais pourquoi les pneus n'ont pas été changés dans les box? C'est, me semble-t-il, en plus autorisé par le règlement. Parce que c'est de l'endurance. La piste a été coupée. Ce qui reste un problème mineur pour l'instant. Puisque là, il faut que les pneus tiennent. Il faut que les pneumatiques tiennent. Yellow flags. On va respecter
Le drapeau jaune, on va ralentir la cadence. Mais on entend les pneus souffrir, le martyr. Et voilà, 20 secondes, je pense que ça va bientôt être voilà, le dernier tour. Et il était temps. Il était temps parce que là... on frôlait la correctionnelle dans toutes les divisions. Oh là là, regardez devant, on voit encore un proto qui tente de s'évader des GT4 et des plus lentes. This is the final lap of the race. See if you can take that guy in front of you, otherwise just bring it back in one piece. Allez, on va la ramener en un seul morceau comme demandé par notre ingénieur. Pour une fois, on va écouter ses bons conseils. On est censé pouvoir aller chercher cette voiture sans problème, mais là, vu les conditions de pneumatique, ça devenait vraiment un numéro d'équilibriste. Le freinage ici hors piste, on n'est plus à ça près. Alors le bruit des pneus fait vraiment mal au cœur et aux oreilles. Et ça va donc être terminé. Oh, avec une voiture en bout de course et beaucoup trop de carburant. Yellow flags, repeat, yellow flags. Oh, et ben voilà. Il était largement temps que cette épreuve se termine parce que là, comme on dit, on a fait du petit bois. C'est terminé pour cette deuxième épreuve du championnat d'endurance d'Amérique du Nord. Et donc on fait un cinquième rang général évidemment puisque les autres LMP1 étaient... à l'arrêt, on va continuer et consulter ensemble voilà, le classement de notre division, les 25 points de la victoire chez nous. Un meilleur tour en course pour Mark Hampson, évidemment. Difficile de battre les grandes Audi. Et le classement chez nous, donc 50 points après 2 victoires. Ça commence à sentir bon. Raoul Luengo est deuxième. Visor est troisième. Guthrie quatrième et Patrick Leleu. Cinquième, notre équipier donc quatrième, plutôt agréable ce classement. Écoutez, on va se donner rendez-vous très vite pour la troisième manche de ce championnat d'Amérique du Nord d'LMP2. D'ici là, eh bien les amis, portez-vous bien et amusez-vous en piste, c'est le principal. Allez, à bientôt, ciao.